Finances, monsieur le ministre de la Finance, monsieur le président du Comité national olympique du Togo, messieurs les directeurs des services centraux du ministère en charge des sports, messieurs les parrains des cours avancés en management du sport, messieurs les membres du comité exécutif du CNO Togo, messieurs les présidents des fédérations sportives nationales, messieurs les facilitateurs des CAMS, messieurs les anciens participants, chers candidats aux CAMS, messieurs les journalistes, honorables invités, mesdames, messieurs. Je me réjouis sincèrement de l'honneur qui m'a été fait en me désignant comme parrain de la 4e promotion des cours avancés en management du sport CAMS, initiée par la Solidarité olympique en collaboration avec le Comité national olympique du Togo. L'un des principaux objectifs du management des organisations est que l'apprenant se forge un jugement personnel quant à l'impact que le comportement des individus peut avoir sur la conception de la gouvernance des organisations. Dans sa lettre, lors du rapport annuel du CIO en 2015, le président Thomas Bach déclarait, je cite, c'est pourquoi nous répétons que rien ne